La vision qui change tout, les gars, je vous le dis. Vous allez voir dans 20 minutes. Athée hollandais. Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode de notre club FIFA 22, toujours avec 0€. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ouvrir notre pack icône moyenne garantie. Garantie. Les gars, donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on va mettre pas mal de choses dans ces packs. On ne sait pas encore à peu près le prix, moi je dirais que c'est entre 300, 350 000, 400 000, on verra. En tout cas, si tu kiffes la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification sur YouTube et à nous rejoindre sur Twitch. Exactement. Parce qu'en plus de ça, les gars, sur Twitch, en ce moment, le soutien est extraordinaire. Incroyable. Et au lieu de regarder un petit condensé de 10 minutes sur YouTube, bah, tu peux voir ça en live. Et donc voilà, les gars, c'est le petit message qu'on a à faire aujourd'hui pour Twitch. Et donc, du coup, là, c'est la première équipe qu'on va soumettre pour le pack middle garantie. Alors là, on va mettre une équipe à 87, comme tu peux voir. On va mettre Alexander Arnold, Flashback Müller, qu'on avait fait gratuitement, les gars. Ça recycle. Ouais. Et Karim Benzema, rouge 91. Qu'on avait tapé en doublon, et du coup là qu'on va aller récupérer vite fait sur la web app. Comme ça c'est un autre Benzema qu'on pourra mettre dans le prochain SBC. Et voilà les gars, moi comme j'ai dit depuis une semaine, j'ai la vision Cruyff ou Eusebio. J'ai cette vision les gars, dites nous d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que tu auras tapé justement dans ton pack garanti mid. Et juste avant les gars, là on a 600 000 crédits parce qu'on a vendu une dizaine de Yann Oblak qu'on avait acheté il y a une dizaine de jours pour environ 42 000, 43 000 et qu'on a revendu là juste avant 19h aux alentours de 50 000 crédits. Donc en vrai, on se fait un petit bénéf bien sympa, mais c'est pas non plus de ouf, ouf, ouf. Et on espère que les grosses notes vont bien augmenter. Comme ça, nous, on pourra commencer à vider un petit peu notre club. La vision qui change tout, les gars, je vous le dis. Ou AT français, t'as qui? T'as Cantona. On signe. Cantona mid, oui. Cantona de base, meilleur. Oui. Pour moi, je trouve que Cantona de base est meilleur. Il a plus de vitesse. Ok, donc le pack icône moyen, ça coûte 337 000 sur Play et 353 000 sur Xbox. C'est pas grand chose en vrai. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien, mais. En fait, c'est pas grand chose comparé aux SBC de l'année dernière. Mais quand tu vois le marché actuel de cette année, je trouve que c'est quand même. C'est cher. Parce que tu peux taper quand même quelques quiches. Après, si t'as du lourd, tant mieux, tu vois. Mais après, voilà. Donc, les gars, là, on a récupéré le Benzema, le Upamecano, qu'on avait tapé en non échangeable. En invendable, ouais. Exactement. Et après, on avait tapé le rouge. Donc, c'était tout full bénéf pour nous. Et en vrai, peut-être qu'on va mettre Lincoln. Ouais, on va. Mais les gars, vous savez quoi, on va mettre Lincoln. Je pense pas qu'on va jouer avec lui. Et si on joue avec des MOC brésiliens, on verra. Bon, les gars, pour la première équipe 85, on va mettre le boost. Du coup, Ivan Rakitic, je crois qu'il est vendable. Mais c'est pas bien grave. Et ça, du coup, c'est le reste de l'équipe qu'on va mettre, les refs. Et il nous restera juste une équipe. Par contre, les gars, si on pack réellement un Eusebio ou un Cruyff, les gars, mais visionnaire. Hein. Visionnaire de fou malade. Moi les gars, si on fait une tag, c'est stat. Moi je comme ça on est fixé. Qui est beau les gars? Bah oui, on l'envoie hein. Du coup on va mettre Suarez, Cavani. Mais en vrai je pense qu'on aurait peut-être pu faire d'autres 81 plus, mais bon, pour le plaisir. On aurait dû, oui. Mais en vrai les gars, je pense qu'on a peut-être dû dépenser en crédit vendable. Je pense qu'on a peut-être dû peut-être faire. Ouais, je pense 100 000. 100 000, ouais. Et là, on a encore 1 million, 1 500 000, je dirais, de fodders dans la pile. Dans la pile et dans le club. Diogo Jota est vendable, donc tout dépendra de qui on va avoir. Je pense qu'on va quand même le vendre, les gars, le Diogo Jota. Ouais, peut-être. La défense, c'est full invendable, sauf le Denzel Dumfries, mais qu'on va revendre parce qu'on voulait juste laisser sa version 86. Il a un peu de long, mais d'ailleurs, il est pas trop mal in-game. Et donc là, du coup, les gars. Il y a aussi Gravenberch qui est vendable. Ouais. Tu sais quoi, je vais enlever tous les joueurs vendables de l'équipe, comme ça, vous aurez une petite idée, les gars. Par contre, si on tape un Best, un Daglish ou un Ferdinand. Pas de 4 icônes là que tu vois dans l'équipe, sinon après ça. En vrai, Roberto Carlos, on a Roberto Carlos dans le club. Mais on l'utilise pas, il est pas la version mid, moi ça me dérangerait pas du tout de la taper, tu vois. Version mid Roberto Carlos, ça me ferait bien kiffer. Appelez le daron les gars, non, 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 on aime notre père, on aime notre père, mais on aime aussi notre club FIFA. Non. Si tu vois ce que je veux dire, on a pas envie que notre père assassine un deuxième pack icône. La daronne elle est trop timide les gars, notre mère elle est trop timide. Elle aime pas être, en caméra. Non. Elle aime pas être devant la caméra, notre mère. Donc là, prédit, qu'est-ce que ça donne, les refs? Un attaquant icône. Oui. Je vous rappelle, les gars, que Cruyff et Eusebio, c'est des attaquants. Ah là là là. En là, vrai, là, 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 attaquant icône, il y a quand même pas mal de points de chaîne dessus. Pour moi, les gars, le pack icône moyen, si tu dois le faire ou pas, c'est vraiment toi et ta chance. Si tu peux le faire pour moi, quand même, moins de 150 000, 100 000, peut-être tente le coup. Mais après, les gars, aussi, il faut se dire, la Totti arrive très bientôt.
La Toti arrive très bientôt, ça dure une semaine le pack, t'as des 80 en plus, te rush pas pour le faire. Tu peux recycler, recycle, vite ton club, recycle, tralala, tu vois, on a une soirée à Scavani, recycle ton club, en tout cas les refs. 5, 4, 3, 2, 1, tech, stat, here we go. Allez, on l'ouvre, allez. Croft, il est à l'extérieur du pied. Ou la cutie en finesse. En vrai, ça serait sympa. Non, caractéristique joueur. J'ai dit ça tout à l'heure à un ami, pourquoi pas le faire, mais en vrai, pas tout de suite. Je suis pas encore prêt. Peut-être vers la fin d'année, comme ça t'es sûr. Mais là. Déjà, les gars, victoire ou défaite dans le chat. La vision, elle doit pas arriver aujourd'hui. Attends. Est-ce que tu peux juste tourner plus l'écran vers moi, s'il te plaît? La vision, je la vois pas arriver aujourd'hui, malheureusement, les gars. Est-ce que, et les gars, s'il vous plaît, juste pas de goal. C'est bon, imaginez, les gars, on a un goal. J'en ai fait 3. Ouh, alors là les gars, ça veut dire que c'est un mec, il est bien technique. Déjà, si t'arrives à arriver tout en haut à droite, t'es bien. Mais si t'arrives en haut à droite et en bas à droite. Oh mec. Non. 72 physique. Non les gars, c'est quoi, les gars, Je crois que c'est Cruyff. Les gars, je crois que c'est Cruyff. Non, les gars, je crois que c'est Cruyff. 80 endurance. Oh mon dieu. Non, oh non, mon dieu. Enlève l'image, je crois que c'est Cruyff, les gars. Oh mon dieu, non. La vision. Oh, ça fait Oh là là, les gars, incroyable. Bravo, mec. La vision. Mec. Bravo frérot. Oh là là les gars, je suis choqué. Oh les refs, vraiment je. Waouh. Oh, je suis choqué. Ah mais les gars. À quel moment tu te dis que c'est Cruyff? Moi, quand j'ai vu. En fait les gars, j'ai tellement rêvé de cette carte là. Qu'en fait quand j'ai vu 81 d'endurance, je me suis dit. C'est sûr, ça peut être que lui. Les gars, incroyable. Je sais pas les gars, mais j'avais un pressentiment les refs. Depuis la semaine dernière, je vous dis les gars, j'ai une vision. Oh la vache. Tu vois, il y a 5-10 minutes, je me chiais dessus, mais j'avais la vision. Quant à ça, déjà quand t'as la caractéristique tout en haut à droite, déjà t'es bien. Mais là, je vois la caractéristique en bas. Je me dis, il y a un truc. La vision. Ça veut dire les gars que le Daglish, il va vite sortir. Et là on a la mèche ultime, là les gars on a la mèche ultime hein. Là c'est fini hein. Là c'est les gars, on peut prendre notre retraite hein. Il se vend combien le frérot? Incroyable les gars, incroyable. Oh les gars, ça me fait plaisir. Franchement les gars, vous savez pourquoi ça me fait plaisir? Pour plusieurs manières. La première, c'est que en vrai Vincent et moi on taffe énormément sur nos comptes. Maintenant on a créé un compte Xbox etc, ça, on taffe énormément dessus. On met pas de points FIFA. Et franchement, ça fait plaisir. On va enfin pouvoir jouer avec ces joueurs-là, avec ce joueur-là, sans mettre de thunes dans le jeu. Oh. Franchement, on est très chanceux. Franchement, je suis grave chanceux, je suis grave reconnaissant. Mais en vrai, ça fait vraiment plaisir de se dire que de temps en temps, en vrai, même si cette année on a eu de la chance dans nos packs icônes, tu vois, t'en as eu Daglish, Ferdinand, Van der Sar, bien. Mais franchement, ne pas mettre de points FIFA et avoir Cruyff, c'est incroyable. Donc, honnêtement, les gars, c'est pour ça que je vous dis, alors, peut-être pas tout le monde aura notre chance. Mais les gars, évitez de mettre des points FIFA. Voilà, parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde. Oui, non, mais voilà, tu peux avoir plus de fun. Parce qu'on n'a pas mis de points FIFA. On se tape des bonnes barres. On a une bonne équipe. Et en plus de ça, on a de la chance dans les packs. Donc en vrai, là, les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça, les refs, mettez pas de points FIFA dans le jeu. Vous allez sur vos comptes, les refs. Allez, les gars, pas de prédit. Pas de prédit, rien. À la fraîche. En parlant de mèche, défaite. En MC il te fait le taf, En NC, franchement on avait testé les dernières, en MC il te fait le taf frérot. Terrible, ouais mais c'est la mèche, c'est la star. C'est la star, là t'es vraiment à Hollywood. En vrai, en box to box, ils se vendent combien sur le marché? Non, c'est une défaite. Le pauvre. En vrai pour moi, ça m'aurait fait... Non, je vais me taire. J'espère la même chose que nous frérot. Allez, le troisième, c'est parti les gars. Pas de coup de moyen. Bon les gars, pour le troisième pack de la vidéo, Cruyff Beckham, est-ce qu'on aura le Daglish? Allez, je crois que c'est bon, tourne à gauche. Ah, il n'y a pas de caractéristique. Ouh, il n'y a pas de caractéristique. Oh.
Ok. Bon. Ça peut être un bon signe. Oh, en ça vrai. Ça peut être un très bon signe. Ça, c'est mis, les gars. Seedorf. Moi, ça m'aide. Ce cas, c'est un milieu de terrain, ça. Ou un dev centre. Ouais, mais 77 d'agression. Aïe. Je pense que c'est plus un. Ah non. Moi, j'irais bien Seedorf. Moi, comme ça, là, je dirais Seedorf. Non. Oh, ça peut être qui, les gars? Ça peut être qui, ça? Non, c'est sûr, c'est pas Gullit. 80 de passes? Non, c'est un bon milieu de terrain, je dirais. Là. 80 de passes? 67 de passons pour un milieu de terrain? Ça doit être un Balak, un mec comme ça, non? Non, Balak, il a beaucoup de passes. Balak, 72 d'équilibre aussi. Hein. Attends, c'est quoi ces stats, là? C'est qui? Pardon. C'est qui, les gars? Attends, on enlève l'image. C'est Makalele? Non, c'est pas Makalele, ça. Oh, mec, Carlos Alberto! Grosse victoire. Je sais pas si c'est une grosse victoire ou une victoire, mais en tout cas, c'est très très bien. Il coûte combien? Il coûte combien? Attendez, les gars, je vais aller sur Fudbin. Il coûte combien? Mais c'est un latéral. Mais en vrai, tu as ton latéral jusqu'à la tote. Donc en vrai, tu vois. Il avait des stats grave bizarres, les gars. Ah, victoire. Ah, victoire. 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 Pour moi, ça, c'est victoire. Tu vois? Pour moi, ça, c'est victoire. 3 packs, 2 victoires. C'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Allez, les gars. Alors, on y va tout de suite. On y va tout de suite, les gars. La prédiction, est-ce que l'icône sera sud-américaine? Le massacre. On vous montre pas ça, les gars. On vous montre pas ça. C'est un massacre. On ne vous montre pas ça, malheureusement. Le frérot, il a peut-être fait 2 packs icônes. Waouh! Waouh! Imaginez, les gars, on tape un doublon. Matthew, est-ce que c'est toi? Parce que là, Matthew, là, il nous fout le contenu. Hein. Et le résultat, il a prédit, les gars, pour le premier pack icône, c'est est-ce que l'icône sera sud-américaine, du coup. Allez, les gars, on ouvre tout de suite. Icône de base ou moyenne. Et merci à toi, Pyrix, pour ton abonnement. Merci, Pyrix, merci, bienvenue, mon ref. Allez. Victoire. Ouh. Et tout, victoire. Le mid ou... Oh là 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 là. Attention, parce qu'il y a le pack icône moyen qui sort derrière. Attention, parce que là, tu peux taper un doublon. Je veux pas porter la poisse ou quoi que ce soit, mais... Non, frérot. J'aurais peut-être limite préféré le de base, pour éviter de se mettre dans une situation un peu inconfortable. C'est vrai que... Ouais, mais là, faut vraiment être malchanceux. Déjà, ça, c'est une victoire. Déjà, les gars, ça, c'est une très grosse victoire. C'est le pack swap. C'est le pack swap, c'est vrai. Matthew. Pack swap ou le pack SBC, tu vois. Liam te régale. Merci, Matthew, pour nous faire confiance. Profite bien de ton icône. Ah. Non. Rashcard. Non. Rashcard, c'est jouable, mec. In-game, très jouable. C'est pas le meilleur. Il est très sous-coté. Je l'ai joué l'année dernière, j'avais adoré. Il est un petit peu lourd, mais sa vitesse, ça peut être un petit souci. Mais si tu le places à côté d'un mec qui a 82-83 de vitesse, je te jure que Rashcard, c'est correct. Mets-le à côté de ton Magloire. C'est 200 000. C'est 200 000. C'est peut-être une défaite, mais pour moi, honnêtement, c'est pas du tout si mauvais que ça. Franchement, c'est correct. Correct de fond. Les gars, alors il y en a peut-être qui m'ont dit, ah, c'est mauvais. Moi, je l'ai testé, je vous jure. Regarde-moi ces stats. On va analyser. Il est un petit peu lourd. En fait, c'est un profil un peu lourd, mais il faut juste le mettre à côté de quelqu'un un petit peu rapide, un tout petit peu plus agile, et t'es très bien. Déjà, moyen. Peut-être limite aussi milieu de terrain. Non, pas milieu de terrain. Niveau endurance, 87, oh, ça. Non, en vrai, milieu de terrain, tu peux, mais moi, je préfère DC. Ouais. Un attaquant icône. Oui, 37%, non à 63%. Boum. Scrap. Skibrim pom pom. Le Linaker. Shearer. On a rien vu, les gars. On a absolument rien vu. Tout se passe comme prévu, malheureusement, les gars. Mais Test et Cruyff, patience. Ah oui, bon bah. Patience. On a toute l'année pour jouer avec lui. T'inquiète pas. Tu vas en bouffer du Cruyff jusqu'en août. Ouais. Allez, les gars, le prochain pack icône moyen, le pack de Nils. Allez, bonne chance, Nils. Tic-tac. Victoire. Tic-tac. Défaite. Tic-tac. Correct. Correct, correct. Il est pas dans les swaps en plus? Non, c'est cette version pas qui est dans les swaps. Je crois que c'est Alès. Non, je crois que c'est de base qui est dans les swaps. Grave, tu peux même aller en clash équipe 2 heures, tu vas kiffer. Bah, c'est réel, hein. Pour le coup, oui. Je vous jure, les gars, ça, je pense que c'est un des top 3 meilleurs moments dans ma carrière FIFA youtubeur ou streamer. Ça, c'est top 3 des 10 dernières années. Mais en fait, faudra dire à Lucas, parce que c'est vrai que Vincent, depuis au moins, je vais pas vous mentir, depuis au moins 2 jours, il me dit, faut qu'il y ait un pack icône qui sorte, je sens qu'il y a du lourd. Je sens, et même Vincent, en stream, il me dit, les gars, moi j'ai une vision, Cruyff, Eusebio. Merci, Liam.
La vision avec un V majuscule, les gars. Je vous mens pas. Depuis la semaine dernière, j'ai cette vision. Creufo aux Zébio. Il a même dit ce soir, avant, enfin pendant le stream, vous étiez là. Quand les refus étaient là, vous avez entendu. Et c'est vrai qu'il me le dit au moins depuis une semaine. Il me dit là, il faut qu'il y ait un pack icône qui sorte. Il faut qu'il y ait un pack icône qui sorte. J'ai un bon pressentiment. J'ai la vision. Merci à vous les gars du soutien, un truc de ouf. Hâte de tester le Johan Cruyff, je vais pas vous mentir les gars, on va se régaler. Pour cette vidéo les gars, on doit demander combien de likes? Ah, moi je dis 10 000. Honnêtement pour moi les gars, 10 000. 10 000 pouces bleus, ça se fout ici. 10 000 pouces bleus. Ouais. À vous les gars de jouer. Ah. À vous de jouer les gars. C'est... voilà. En tout cas les refs, que du love, si vous avez kiffé la vidéo, comment ne pas kiffer cette vidéo? Comment en tant que mec qui met pas d'argent dans le jeu, comment on peut mieux faire? Je sais pas les gars. Mais en tout cas, que du love les refs. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification et à nous suivre sur Twitch. Ça te prend littéralement 30 secondes de nous suivre sur Twitch. Littéralement. Littéralement. Et au lieu de vivre ces moments comme Creuf sur YouTube, tu les vivras en live. Et c'est différent. Mais en tout cas, les refs, que du love. Gros bisous les amis. Gros bisous les refs, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et bah demain sur Twitch et YouTube les gars. Ouais. Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent, que du love les BG. Au revoir.